je suis pas à côté, mais quand je viens dans le quartier, je pense que c'est parmi les meilleures frites de Bruxelles. Donc voilà, c'est tout le temps en permanence. Il y a des queues. Je pense que ça attire du monde. On voit des touristes, on voit, parce que c'est dans beaucoup de. J'ai vu que c'était dans beaucoup de guides aussi. Voilà, donc non, c'est, ça fait partie du patrimoine de la place. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de la friterie pour que ça marche. De toute façon, cette place, elle est très courue et ce sera encore beaucoup mieux quand il n'y aura plus de voitures. Pour le quartier, ça apporte une petite touche belge dans le quartier européen, comme ça, avec les frites. En plus, elle a fait le buzz avec madame la présidente Merkel qui est venue ici. Elle est là depuis je ne sais pas combien de temps, 60 ans, donc ouais, ça fait partie de la place Jourdan. Quand on pense place Jourdan, tout de suite, on sait qu'on fait référence à la friterie Antoine, hein, parce qu'elle est connue. Hein. Donc ça fait partie de la place. Place Jourdan, friterie Antoine. Quoi. Merci d'être gentil. Voilà.